l'extérieur. Sébastien Goujon a l'avantage sur Patrick Vigneault dans la voiture Fondation 55. Encore une fois, je souligne le travail de Gabriel Richer dans la voiture numéro 2, la voiture verte. Gabriel Richer qui est à sa première saison à bord d'une voiture de course. Lui qui n'a que l'expérience à bord de voiture. Ses distances pour revenir à l'intérieur de la ligne des buts. C'est à la sortie de la courbe numéro 4. On a le con, c'est la partie aussi en haut. C'est Jean-François Guessy qui va lancer le départ. C'est vraiment spectaculaire. Mettons que moi, je vais avoir les informations vite fait de même avant le démarrage. Qu'est-ce que je fais? Yeah.
la finale, après les qualifications, je t'avais mentionné. À mon avis, Jean-François Tessier sera à surveiller. Je trouvais, à mon avis, que c'était le plus rapide. Même si on n'a pas remporté sa qualification, on vient de voir le résultat en finale. Jean-François Tessier est un des pilotes qui connaît le plus d'expérience sur le circuit ici de Saint-Eustache. C'est un ancien pilote de légende modifiée. Il a eu beaucoup de succès dans cette série-là. Et à l'instar de son compatriote, celui qui fait équipe avec lui normalement, Dominique Lucie, qui est un pilote fort connu dans notre monde, celui de la course automobile. Et évidemment que Jean-François Tessier sera certainement très fier de cette victoire. Lui qui en est à sa troisième victoire cette saison-ci. Il est celui. Et là, dans quelques instants, tu auras la chance de t'entretenir avec le vainqueur, avec Jeff Tessier. Juste pour le fun, les gens dans les estrades, est-ce que vous avez aimé ça, les Revstars? OK, là, on va faire un test. Si vous avez aimé les Revstars, on lève la main droite. On fera une course à pied, ça traque le rejeton et une épreuve au programme. Dominique, je te cède la parole. Jean-François, rapidement, on a eu les 5 derniers tours qui ont été des tours très importants dans la belle voiture qui s'en venait moins compétitive ou du moins qui avait des plus bizarres qui sortaient de là. Oui, les 5 derniers tours, là, ça a été un petit peu difficile, effectivement. Là, la mécanique a été chaudement sollicitée. Et puis, on a fait de très belles courses quand même. Félicitations encore une fois, Jean-François Tessier. Je te repasse la parole à Mathieu, alors que la finale est légèrement modifiée.